Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour une petite vidéo Fortnite. Alors aujourd'hui les amis, on va parler d'un défi puisqu'on se trouve dans la quatrième semaine de défi du jeu. Et donc on va parler d'un défi, il s'agit de trouver 5 différents camions de glace dans la map. Alors il existe bien plus que 5 positions de camions de glace pour tout vous dire. À vrai dire j'en ai même trouvé 13 pour le moment. Donc je vais vous les citer et vous citer les quelques positions que je connais afin de vous aider à réaliser ce défi. Donc parmi les 13 positions, j'ai essayé de les regrouper un petit peu par secteur. Vous en avez 3 qui se trouvent au niveau de Wellingwood, Tomato et Retail Row. Donc le premier se trouve en case I2, en bordure de Wellingwood, tout en haut à droite de la map. Le second se trouve en case G4, directement au cœur de Tomato, auprès du grand bâtiment où vous avez la grosse tomate. Et enfin, le troisième se trouve dans la zone H6, en plein cœur de Retail Row. Pour la zone suivante, j'en ai regroupé à nouveau 4 dans le même secteur. Le premier se trouve dans la case F9, sous le pont à droite de la zone Flush Factory. Ensuite, vous en avez un dans la case G9, un peu plus sur la droite là encore, dans les plaines de Moistimir. Toujours sur la droite, vous en avez une dans la case I8, tout simplement en plein cœur des marécages de Moistimir. On peut préciser également qu'il se trouve en plein sur le R de Moistimir. Et enfin, en remontant un petit peu, vous en avez un dans la case F8, sur une grosse montagne qui se trouve juste à côté de Fatal Fields. Alors petite précision quant à cette zone, il paraîtrait qu'il y en a un sur la zone de Flush Factory. Personnellement je ne l'ai pas trouvé, donc je vous laisse chercher en plein cœur de Flush Factory si le cœur vous en dit. Ensuite, une autre zone que j'ai regroupée, il s'agit de Tilted Tower et de Greasy Groove. Donc cette zone peut être réalisée en une seule fois. Donc vous avez un premier camion qui se trouve dans la case B7, tout en bas à gauche de Greasy Groove. Et enfin, vous avez un deuxième camion qui se trouve dans la case D5, à l'extérieur, en plein cœur de tous les bâtiments. Pour finir, une dernière zone peut regrouper quant à elle 4 camions que vous pouvez donc faire en une seule partie. Il s'agit de la zone tout en haut à gauche de la map. Vous pouvez commencer par exemple par la case B2, puisqu'il y a un camion de glace juste à l'entrée de Junk Junction. Ensuite, vous pouvez vous diriger vers le motel dans la case D2 et vous avez un autre camion de glace juste en bas du grand panneau motel. Ensuite, en redescendant vers Pleasant Park dans la case C3 précisément, vous avez encore un nouveau camion de glace. Donc là, on est vraiment en plein cœur de Pleasant Park. Et enfin, pour terminer, vous pouvez même redescendre en direction de Snowy Shore puisque dans la case B4, vous avez un dernier camion de glace qui se trouve tout simplement sur le chemin entre Snowy et Pleasant Park. Voilà, donc je vous ai cité les 13 positions que je connais. Je pense qu'avec ça, vous allez pouvoir largement réussir ce défi. Alors si vous avez d'autres positions en tête, si vous connaissez d'autres positions pour ces fameux camions de glace, n'hésitez pas à les partager à la commu directement sous le commentaire épinglé. Ça peut toujours rendre service à la commu, donc c'est plutôt sympa de votre part. A savoir que le petit bug des 100 000 HP du camion de glace n'a toujours pas été patché. Donc ça peut être plutôt fun pour ceux qui ne le connaissent pas. Et je vous rappelle également que ça ne fonctionnera pas, le défi ne fonctionnera pas si vous ne faites pas top 1 ou si vous ne mourrez pas dans la partie, puisque si vous quittez la partie prématurément, la progression ne sera pas sauvegardée. Voilà, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui tout le monde le sait, mais je le rappelle quand même pour les derniers petits retardataires. Comme pour la précédente vidéo, afin de rendre les choses plus simples et de mieux vous aider, si jamais cela peut vous être utile, je vous ai fait une petite map avec la position de tous les camions de glace que je connais pour le moment, et je vous ai mis le lien vers cette map en barre d'infos. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile, que ce petit tuto vous servira dans le jeu. Et quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. D'ici là, geekez bien et ciao tout le monde !